Je suis allée regarder le spectacle. Le sac. La pistole des enfants. Il est fatigué, papa. Fatigué, papa. Qu'ils l'appellent pestacle ou spectacle, c'est bien un concert rien que pour eux que les petits Montalbanais sont venus voir le 16 juillet au Jardin des Plantes. Le duo Papa est fatigué a lancé le nouveau festival Les Rendez-vous de l'été. Cirque, concert, théâtre, ces rendez-vous sont l'occasion pour tous de découvrir les arts de la scène. Les Rendez-vous de l'été, en fait, c'est une émergence de l'ancien festival Cœur de Ville qui a été modifié et qui consiste donc désormais en des dates ponctuelles, en fait des journées dans la semaine, qui sont les mercredis, qui sont plus particulièrement dirigés vers un jeune public. C'est ce que nous avons appelé les rendez-vous des minots. Il s'agit de 5 dates dans l'été. Il y a 2 dates en juillet, qui sont les 16 et 30 juillet, et il y a 3 dates en août, le 6, le 13 et le 27 août. Ces rendez-vous donc des minots sont à 18h30, et ils ont lieu à l'ancien collège et au Jardin des Plantes. Alors là, il s'agit de jeux de cirque, de marionnettes, de théâtre qui, franchement, raviront les petits et les grands. Un sur chaque joue et un autre dans le cou. Arrêtez de vous embrasser, vous êtes ridicule. C'était adorable, adorable. Enfin, quand le langage était approprié aux enfants, c'était vraiment mignon. Et il y avait de très bons musiciens en plus. Ben, en fait, moi, j'ai bien aimé le spectacle parce que ça chantait de mon papa. Et c'était drôlement bien. C'était génial. C'est très très bien. C'est justement, ça les éveille, tout ce qui est musique, et puis leur donner envie d'aller voir ce qui se passe. Moi, je trouve qu'il faut continuer. C'est de très bonnes idées. En plus, le cadre ici est magnifique. Il oui. Faut continuer. Papa est fatigué. Fatigué. Papa. Les jeudis sont dédiés à un public plus large. 5 dates donc aussi, 18 et le 31 juillet, et le 7, le 14 et le 28 août, à 21h, sur l'esplanade des Fontaines, place nationale ou à l'ancien collège. Il s'agit de spectacles d'un très bon niveau, avec notamment les Fourberies de Scapin par la troupe de l'Embellie. Je pense que tout le monde appréciera. Il s'agit de Cats on Trees, un groupe pop qui a reçu les Victoires de la musique. Et pour clôturer, l'orchestre de la Cité d'Ingres, donc le 28 août, place nationale. La première représentation a été donnée le 17 juillet, place nationale, par la troupe du Festival des Châteaux de Bruniquel. C'est un pur bonheur. C'est des choses simples qui font du bien, il n'y a qu'à voir. C'est de qualité, c'est bien. Ça permet à des non-connaisseurs de connaître ce genre de musique. C'était vraiment une belle soirée. Et moi, quand même, c'était une troupe qui a de gros talents. Quoi. Ainsi, ce sont 10 spectacles de qualité que la ville de Montauban offre aux touristes et aux habitants de l'agglomération. Ces rendez-vous sont gratuits. Ils permettront donc à tous d'avoir accès à une culture très large, de la musique pop, de la musique lyrique, de la musique classique, du théâtre, la culture très large à la portée de tous. Retrouvez le détail de la programmation dans le guide de l'été ou sur le site de la ville de Montauban, www.montauban.com.